Tu dois trouver le moyen de voir les radiations, Kate Walker. Trop dangereux tant que je ne peux pas détecter les radiations. Radio-lunette ? Le niveau de radiation environnant est indiqué ici, mais il faudrait que je puisse être sûre que toute la zone est saine. J'ai déjà vu la forme de cette serrure quelque part. Bloqué. Alors ces lunettes te permettent de voir les radiations ? Plus de courant. Pas d'inquiétude, je vais pas m'éloigner. Je pourrais peut-être tracter le cristal avec cette espèce de tracteur. Mais encore faut-il pouvoir l'atteindre. Une perche de maître nageur, télescopique on dirait.
Oscar ? Cet idiot. Oscar n'existe plus maintenant, je le sais bien. Et ses automates se ressemblent tous. Votre médaillon, le cœur, vous savez, il est en très bon état. Il contient tout un tas de données constitutives d'un automate XZ2000. L'essentiel, pour ainsi dire. Vous comprenez, sur ce modèle particulier, le cœur et l'intelligence se mélangent. Alors, il suffirait de pas grand-chose pour que vous retrouviez un jour votre ami Oscar. Peut-être que c'est possible. Verrouillé. Plus de courant. Miss Catwalk, besoin d'aide ? Oui. Pouvez-vous brancher ce câble au cristal ? Peut-être que comme ça, j'arriverai à remettre du courant dans le parc. Pas problème. Très bien. Merci pour votre aide, Monsieur Borut.
s'est-il passé? Branche et corde, ok. Mais toi aurais dû avertir Borut avant de remettre le jus magique. Oh, vraiment, je suis désolée, monsieur Borut. Ok, Miss Catwalk, pas problème. Borut costaud comme vieux mammouth. L'emblème des Vorarlberg. Hans le mettait sur toutes ses inventions. Ça ne va pas. Un autre automate délabré? Je dois pouvoir tracter le cristal en l'attachant à ce treuil. Désolé. Pas de commande de mise en marche. Je vois. L'automate chargé de piloter ce tracteur doit être connecté à cette broche en forme de clé Vorarlberg pour pouvoir le démarrer. C'est astucieux. Mais il me faudrait un automate en état de marche. Qu'est-ce que c'est que ça?
des outils Vorarlberg, ce qui se fait de mieux pour réparer les automates. Kirk, mais que faites-vous là? Puisque tu as pu explorer cette zone sans dommage, j'ai autorisé les Yukol à descendre à terre. Il faut que je te montre quelque chose, Kate Walker. Quoi donc? C'est important? Allez, Miss Kate Walker, venir, ok? En dessous, Macadam Pourri, c'est chemin sacré de la transhumance. Miss Catwalker doit rapidement faire sortir Autruche pour que Yukol prenne cette route. Écoutez, je comprends que vous teniez à respecter scrupuleusement le protocole de vos coutumes. Mais faire passer votre caravane par là serait du suicide. Cette avenue est totalement irradiée. Pas de charabia, Miss Catwalker. C'est volonté des esprits. Miss Catwalker a vu ce qui arrive quand Yukol s'oppose aux esprits. Mais... Notre chaman est têtu comme une vieille autruche, Kate Walker. Tu crois qu'il pourrait exister une autre route? Je ne sais pas. Pour le moment, je me suis surtout concentrée sur la réparation d'un automate pour tracter le cristal. Dès que je le pourrai, je chercherai un autre chemin. D'ici là, restez bien dans les zones sûres et soyez prudents, d'accord? Il bloque l'ouverture. Je me souviens de ces serrures. Elles permettent d'activer toutes les inventions de Hans. Bon, plus qu'à trouver la clé correspondante.